Merci. Alors, je me présente, moi, c'est Funky Fab. Pour les plus vifs et les plus futés d'entre vous, c'est pas mon vrai nom, hein. C'est un pseudo. Alors, je sais que ça fait un peu acteur de film de boule, mais je m'en fous. J'espère qu'un jour, j'entendrai les filles crier « Andy, merci qui ?» Alors, là, la salle se divise en deux parties, normalement. Hein, y a les plus vieux d'un côté qui se disent « vas-y, Funky, je connais ça, vas-y, Funky, c'est bon. » Et il y a les autres qui ont compris de quoi je parle, donc ça veut dire que vous avez la même vie sexuelle que moi. Bravo, les gars. Alors, je me présente. Moi, j'ai deux passions dans la vie, les femmes et les pizzas. Et tu peux mettre des champignons sur les deux, je m'en fous. Ouais, alors peut-être, je vais vous prévenir. Mon psy, il m'a demandé de vous prévenir parce que je vois un psy, parce que c'est ma vie, je fais ce que je veux. Hein. Et puis c'est à la mode de voir un psy aussi. C'est ça ou être vegan? Et, non, mais parce que moi, je préfère rester couché pendant une heure plutôt que de supprimer le jambon de Parme. Alors, mon psy m'a dit, ouais, Funky, des fois, vous dites des trucs quand même, c'est un peu violent. Alors, ça serait bien, parce que les gens, ils sont pas toujours prêts. Ça serait bien que vous fassiez un petit truc, là, pour désamorcer le truc. Je sais pas, souriez. Alors, du coup, ben, quand je vais dire des trucs qui seront un petit peu trop trash pour vous, je vais faire... Voilà, comme ça, ça passera mieux. D'ailleurs, je voudrais savoir, j'ai quoi comme public ce soir, Liège, devant moi? Est-ce que vous êtes plutôt un public style « Oui, non, mais enfin, malotru, je ne mange pas de ce pain-là, qu'est-ce que ça veut dire ?» Ok, donc si à tout moment ça va trop loin, n'oubliez pas, c'est ce monsieur-là qui m'a donné le feu vert. Alors, je suis célibataire. Merci, Liège. Pourtant, moi, je suis pas difficile. Moi, je suis ce qu'on appelle un tout-terrain. Moi, je prends tout, petite, grosse, moche, chaise roulante, toi. Enfin, je... Non, mais... Mais... Si je peux être honnête avec vous, moi j'aime les femmes, hein, toutes les femmes, mais alors celle que moi je préfère vraiment du fond de mon cœur, c'est les petites grosses. J'adore ça, les petites grosses, parce que c'est des femmes qui sont pas très bien dans leur peau, alors qu'elles ont plein de place. Pas beaucoup d'amour propre, très peu d'estime d'elles-mêmes. Ça veut dire que tu peux leur faire les pires crasses du monde. C'est pas grave. Mais je peux pas coucher avec une petite grosse. C'est pas que j'estime que j'ai un physique trop sélectif pour ça. Hein. Enfin, vous le voyez, on est en direct, c'est mon vrai corps, c'est le corps de Monsieur Patate. Et y a pas d'effet spéciaux parce que moi, je suis l'éboueur du sexe. Hein. Vraiment, je prends tout, je trie après. Ok. Moi, j'ai aucun souci à passer dernier dans une tournante. Hein. Je m'en fous. J'ai une devise, moi. Tant que ça respire, même faiblement. J'y vais. Non, non. Le truc, c'est que c'est un problème technique. Je vous explique. Parce que moi, en fait, moi, j'ai un sexe normal. Je suis à moins 4 sur l'échelle de Rocco. Prenez la position du missionnaire. Son ventre, mon ventre. Ben, la pénétration n'est pas possible. Hein. Non, mais c'est plus du sexe. Hein. C'est du Tetris. C'est humiliant pour elle comme pour moi. Je veux dire, prenez la levrette. Tout le monde voit ce que c'est, la levrette. Tout le monde voit. Les vieux, vous vous souvenez de ce que c'est, la levrette? C'est une position win-win dans un couple. Win-win parce que madame aime bien, parce que pendant 5 minutes, elle n'est pas obligée de sourire. Monsieur aime bien, parce que pendant 5 minutes, il peut penser à quelqu'un d'autre. Win-win. Mais moi, je ne peux pas faire de levrette avec une petite grosse, parce que, je vous explique, il faut que je soulève mon ventre, que je pose sur ses fesses. Mais moi, après, du coup, je vois plus ce que je fais. Je sais pas si je suis dans le jardin ou dans le potager. Je suis sur plein de sites de rencontres aussi. Vous pouvez me trouver sur Tinder. Hein. Généralement, moi, je suis du côté gauche de l'application. Là, j'ai un pote, il m'a dit « Ouais, Funky, laisse-toi pousser la barbe. J'ai trouvé un chouette site pour toi. Ça s'appelle Inch'Allah.com. » Avec tous les mecs qui se font sauter en moment, je pense qu'il y a une place à prendre. Hein. Alors j'ai mis un chouette petit descriptif. « Hey, j'ai des papiers, t'as un utérus, let's make a deal !»
Non, sinon, je mesure 1m95. Sur Mythique. Oui, je sais, j'ai menti, mais parce que Mythique, il y a un questionnaire à remplir dessus avant de t'inscrire. Et si t'es honnête, au bout de la première question, même ta main gauche veut plus te toucher. La première question, il y a écrit « loisir ». Mais moi, j'ai pas ça, loisir. Tu vois, je bosse comme tout le monde. Quand j'ai 15 minutes de libre, moi, je me touche sur des madames toutes nues. Alors, j'ai mis lecture. Donc, les filles, quand vous voyez Robert, 33 ans, aime les chats et la lecture, vous savez ce qui caresse, hein. Sport pratiqué. Je suis obèse. Fermer la cesse, c'est du sport, je dis. J'ai fait deux cumulés dans ma vie quand j'avais 8 ans. C'était au cours de gym de Monsieur Leroy. J'ai pas fait exprès, c'est Damien, il m'a poussé, je suis tombé du banc, j'ai roulé, tu vois. Après, c'est pas que j'aime pas le sport, mais je peux pas faire de sport parce que j'ai la capacité respiratoire de Grégory Le Marchal. C'est. Ouais, Oh, le pauvre, s'il nous entendait. Non, c'est à chaque fois que je fais cette vanne, j'ai des problèmes. Encore ce matin, il y a le président de la Ligue de la mucoviscidose qui m'a téléphoné. Il m'a dit « Oui, tu vas arrêter de te moquer de Grégory Le... » J'ai dit « Allô, monsieur ? Envoyez-moi un mail. Merci, c'est tout pour moi !»